Hey, bien sûr à tous, c'est Attaque, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nation's Glory. Let's go! Ok, bon du coup on se retrouve sur la lune, vous savez le truc qu'on n'est pas allé depuis... épisode 15 je crois. Alors il y a un truc qui est bizarre parce que c'est toujours à l'Alaska, on l'a reclaim en fait, on a reclaim avec le Gnebison, on a reclaim avec l'Alaska. Mais par contre il n'y a plus aucune machine et ça c'est vraiment chelou parce que faudrait que je demande aux autres membres. Mais normalement on avait laissé toutes les machines donc c'est bizarre, normalement on n'a pas pu se faire voler. Donc bah écoutez on va tout de suite retourner sur Terre. Et puis du coup bah on verra dans le prochain épisode ce qu'on peut faire sur la lune mais bon c'est un peu chiant là. Ok, donc comme vous pouvez le voir, les notations bah, n'ont pas augmenté, on a même encore baissé d'une place. L'Alaska est 178e. On va continuer à essayer d'améliorer le pays, mais bon, ça commence à être un petit peu chiant. Mais en tout cas, comme on est dans la période de Noël, et bon, on va tout de suite construire un sapin sur la place centrale, comme je vous avais dit dans le dernier épisode. Écoutez, sans plus attendre, on va y aller, let's go. Ok, donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un petit schématique. Donc du coup, je suis parti sur ce sympa là. Franchement, il est plutôt pas mal. J'aime bien en plus une pioche à la place d'une étoile. Bon, je vais peut-être remplacer la pioche par une étoile, ça on verra. Donc du coup, je vais quelques modifications dessus en créatif pour déjà tout remplacer par des blocs modés pour que ça augmente les notations. Ça serait bien franchement qu'on augmente parce que la 178e c'est un petit peu beaucoup trop bas à mon goût. Donc écoutez, je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. C'est parti. A few moments later. Ok, donc ça y est, donc bon alors j'ai pas fait tout ça parce que vraiment j'ai la flemme. Mais regardez, j'ai refait tous les cadeaux en bloc modé. Ça va coûter cher. Parce que regardez, ça va coûter vraiment cher. Rien que des feuilles de sapin, il y en a 4000. Sachant qu'une feuille que nous on prend, ça coûte 5$. Donc ouais, effectivement, ça va faire mal au porte-monnaie. Donc regardez, si on prend la calculatrice, avec les 4000 feuilles à 5$, ça nous fait 20 000$. Et si on rajoute, allez, on va dire 2000 de laine pour les cadeaux x 5, ça nous fera 30 000$ en tout de payer. Ça va faire cher, ça va faire un gros trou dans la banque. Mais bon, écoutez, c'est pour le bien du pays. Donc écoutez, on va commencer à le faire direct sur la place centrale. Let's go. Ok, donc juste avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît, puisque plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc bah, vous pouvez vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en plus, vous ne raterez aucune de mes vidéos si vous activez la petite cloche, parce que bien sûr, il faut activer la petite cloche avec toutes les notifications. Hein. Donc du coup, maintenant que vous êtes abonné et que vous avez lâché un like, on peut continuer la vidéo. C'est parti. Ok, bon, du coup, regardez, on va le mettre là-bas comme ça. Il a un peu près, mais pas trop non plus. Donc là, en fait, ça sera la place principale ici, en plus à côté du marché et tout. Ok, donc du coup, déjà pour commencer, je vais essayer de faire du terraforming histoire que tout tienne et faire un joli truc et remplacer aussi par de la neige tout autour. Puis bah écoutez, let's go, c'est parti. Bon, après, le seul problème, c'est que du coup, niveau notation, là, cette semaine, on va encore redescendre, je pense, parce que claim beaucoup plus de territoire et puis il y a rien sur ce territoire. Le terraforming est pas terrible. Bah écoutez, je fais tout ça et puis je vous dis à tout de suite, ça risque d'être long. Souhaitez ma bonne chance. One eternity later. Ok, donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait du bon terraforming. Là, j'ai tout aplati au même niveau et j'ai mis, regardez, un peu de bug autour en fait. Parce que là, il y aura le sapin et les cadeaux. C'est juste que j'ai pas activé le schématique, mais sinon, là au milieu, il y aura le sapin et les cadeaux. Du coup, je mets pas d'herbe modée pour pas gaspiller de l'argent qui servirait à rien. Du coup, faudra remettre de la neige dessus. C'est pour ça que j'en ai pas remis tout autour, parce que je me dis qu'en même temps, dessus, on va mettre de la neige. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre de l'herbe partout et seulement aux endroits où il y aura pas de neige, mettre cette herbe là? Je pense qu'on va plutôt faire ça et puis on va prendre de la neige non mondée parce que la neige modée, les slabs, regardez, c'est beaucoup trop moche, c'est beaucoup trop haut. Alors que ça, c'est de la bonne vieille neige, et vraiment neige et qui est jolie. Mais bon, écoutez, on y est depuis le début de l'épisode, donc là, il est grand temps de changer de sujet. Donc écoutez, on y reviendra plus tard dans la vidéo, ou même dans le prochain épisode, on verra. Et nous, on continue tout de suite la vidéo. Ok, donc du coup, regardez les algues qu'on a plantées dans le dernier épisode. Elles ont à peu près poussé, pas toutes, mais en même temps, j'ai pas été beaucoup présent dans la zone pour la charger. En fait, là, pour tout vous avouer, je viens de passer une heure et demie à être AFK là. Il y a pas tout qui a poussé, hein. Y a plein de choses qui ont pas poussé. Mais bon, écoutez, pour l'instant, ça, faudra qu'on en plante plus, faudra que j'agrandisse la ferme. Mais écoutez, pour l'instant, on va récolter les quelques orbes d'XP qui sont là. Et ouais, effectivement, ça va pas faire beaucoup si on meurt que ça. Donc ouais, je vais devoir largement agrandir la ferme, parce que là, ça nous fait que 11 orbes enchantés. C'est vraiment pas beaucoup. Après, on en a encore 15. Ok, du coup, maintenant, si on entoure une fiole avec les orbes, nous devons obtenir des fioles d'expérience. Bon, c'est pas ça qui va faire notre richesse. Il va falloir vraiment, comme je vous l'ai dit juste avant, qu'on agrandisse la ferme. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc du coup, nous allons pouvoir vendre nos fioles à 1$ à unité. Et puis bah du coup, on va toutes les vendre. On va voir ce que ça va faire. Je vais vendre à 8$, taxe dollar. En vrai, ça me ferait un bénéfice que de 3$. Donc c'est vraiment pas le meilleur moyen pour l'instant. Je suis même en train de me dire, vu à la quantité vendue ces derniers jours, que je n'aurais pas dû les mettre en vente tout de suite et attendre d'avoir plus. Mais bon, écoutez, maintenant c'est trop tard. Donc du coup, on verra dans la fin de l'épisode si nos algues ont été vendues. Et en attendant, eh bien, on va construire un deuxième étage. Je vais m'occuper de ça et puis je vous dis à tout de suite.
Ok, re, donc ça y est, j'ai reconstruit un nouveau bassin. Regardez, voilà, on a un petit bassin avec nos 15 algues qui sont plantées là, donc nos 15 dernières, hein, parce qu'il y a toujours les autres au-dessus. Et puis au fur et à mesure, je pense on l'agrandira et puis on fera d'autres étages aussi. Mais bon, pour l'instant, au moins comme ça va un peu augmenter. Dans le dernier épisode, on pourra en revendre plus. Et en hors cam, je vais essayer d'aller en rechercher aussi. Mais bon, là pour l'instant, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc bah écoutez, on va tout de suite passer à la suite si j'arrête de tomber dans l'eau. Ok, bon, du coup, maintenant on va aller faire un petit peu de PVP dans les Warzone. Donc là, je me suis mis nos stuff histoire d'aller voir s'il y a du monde. Puis s'il y a du monde, j'ai moyennement envie de perdre mon stuff vraiment. Donc je vais y aller nos stuff histoire d'analyser la zone. Et puis bah, s'il y a personne, je vais rester. Et puis au pire, je pourrais la capturer son stuff. Écoutez, ce serait cool. Bon, il y aurait pas de séquence PVP, mais bon, au moins ça ferait un petit truc. Et les gens, il y a personne. Ok, bah écoutez, je vais capturer tout ça. Hein. Il se pourrait que j'ai vu une petite bêtise là les gens. Ouais, effectivement. Je savais pas, mais il est interdit de no stuff Warzone. Donc il y a quelqu'un qui est venu, il m'a prévenu. Donc du coup j'ai déco Warzone. Heureusement que ça aurait pu m'attirer des ennuis. Mais bon écoutez, on va pas refaire cette même erreur. Et puis bah écoutez, on va continuer la vidéo. Mais là j'ai un petit peu peur là. Je vais pas retourner Warzone pour l'instant hein. Là je vais faire d'autres choses hein. Bon vraiment je pense que ça doit être une nouvelle règle due au fait qu'on perd les stuff dans la Warzone maintenant. Parce que j'avais jamais entendu parler de cette règle. Donc je pense vraiment qu'elle est nouvelle. Mais bon écoutez, heureusement qu'on s'est pas fait avoir et qu'on nous a prévenu à temps. Ok, donc du coup, vous vous rappelez en début d'épisode, on a commencé à faire le sapin. Je vais pas continuer à faire le sapin, mais j'aimerais bien aménager cette place là, l'aménager un peu pour que ce soit joli, histoire que ça fasse une petite place publique moins grande que l'autre, mais une petite place publique en face du marché. Peut-être même, genre, même 2-3 étals en dehors des halles là, puisqu'on peut dire que c'est des halles. Donc écoutez, je vais essayer de faire ça et puis bah, je vous dis à tout de suite, let's go! Tada! Regardez, oui, ça a un peu changé, hein, c'est plutôt plein. Hein. Donc, regardez, donc là, j'ai déjà un tout petit peu avancé ça, mais pas trop. J'ai rajouté de la végétation, donc vous voyez des fleurs, des arbres avec de la neige, pas trop rajouté de fleurs, il y en a même peut-être trop, parce que normalement, on est un pays enneigé, c'est pour ça, j'ai rajouté des slabs de neige pour rappeler un peu la neige, mais par-ci par-là. J'ai rajouté un petit chemin, regardez, qui rejoint ici aussi, et qui continue comme ça, qui fait tout le tour. Et là, regardez, nous avons ici, j'ai rajouté 2-3 petites paillotes qui vont plutôt pas mal. Regardez, j'ai des petits commerçants avec des fruits et légumes, et bah, franchement moi j'aime bien, après ce coin là en tout cas où il y a les paillotes j'aime bien, peut-être rajouter peut-être des trucs pour que ce soit plus facile à monter ou avoir peut-être rajouté des lampes ou des trucs comme ça aussi. Ah oui j'ai aussi mis une haie de ce côté là mais sinon en vrai j'aime bien, il y a peut-être trop de fleurs, je pense qu'il y a trop de fleurs, faudra voir, mais en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce qu'il faut améliorer. Et puis je pense qu'il y a aussi Scam qui reviendra dessus parce que bon lui il est beaucoup plus fort que moi en build hein, ça tout le monde le sait. Mais bon du coup on va tout de suite passer à la suite. Donc en tout cas les amis nous allons nous arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, à lâcher un like et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, je live tous les samedis à 15h. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur tous mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Pour cet épisode j'ai essayé de faire un peu plus de montage que d'habitude. Donc j'espère que ce sera vu. J'espère que vous aurez bien aimé le montage que j'ai fait. J'ai essayé d'en faire plus et de m'améliorer. Donc dites moi dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, si ça se remarque et tout. Donc dites moi tout dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous en pensez. Et en tout cas moi les amis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, c'était le Tintag. A plus.